Là, je te dis, il y a un vrai problème. Je l'ai vu, c'était super rapide. C'est vrai que c'est un endroit très mystérieux. À chaque fois qu'on est dans une pièce, t'as l'impression que là-bas, t'entends un truc. Pour cette enquête, on va se rendre au château de Rareck. Comme vous allez vous en rendre compte, quand on va aborder le point de la légende, elle est relativement peu étoffée. Il y a peu de contenu. Cependant, elle dure. Depuis des années, elle a été relayée par certains photographes, par des gens qui travaillent dans le milieu de l'occulte et des recherches sur la traque aux fantômes. On va avoir l'honneur et le privilège d'avoir accès à la salle des archives du château de Rareck. Donc si vous le voulez bien, on attaque la légende. Concernant l'historique du château de Rareck, on a 4 points très importants qui vont constituer l'histoire de ce château. Le premier, c'est qu'il nous manque des informations, et il existe peu d'informations concernant la construction du château de Rareck. On ne sait pas dans le temps réellement quand est-ce qu'il a été construit. Deuxième point, l'acquisition de Nicolas de Lancy du château en 1600. Le troisième point, c'est qu'en 1782, la famille Bédoyère acquiert le château. Et le dernier point, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est que ce château a servi de décor fantastique au film La Belle et la Bête, qui a été réalisé par Jean Cocteau. Alors, concernant la localisation du château, il est situé dans l'Oise, près de Compiègne. Voilà, différentes photos vues par satellite. Ça, c'est l'entrée assez majestueuse du château de Rareck, avec ses deux fameuses haies cynégétiques. Alors, là, c'est un point très important concernant notre légende. C'est la fameuse porte rouge, ou porte de Diane, celle qu'on voit ici. Comme vous le voyez, il y a une seule et unique légende. Les sources sont relativement faibles. On a l'impression que les gens l'ont raconté au fur et à mesure des siècles, d'un point de vue extrêmement personnel, avec peu d'informations, peu de données. Mais cependant, elle perdure dans le folklore des hantises. RIP a été créé dans un seul et unique but, celui de comprendre s'il y avait une réalité derrière le phénomène des hantises. Et c'est la raison pour laquelle nous avons réuni une équipe afin de nous rendre sur place et essayer de documenter le sujet. Concernant la légende, on raconte cette histoire de cette façon-là. Une servante aurait essayé de tuer son petit garçon, peut-être dans la folie. Après s'être rendue compte de l'acte horrible qu'elle avait fait, elle se serait donné la mort à l'orée de la porte de Diane. On l'aurait retrouvée pendue. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de la base de la légende. Ce qui nous intéresse, c'est que régulièrement et récemment, des témoignages très contemporains auraient vu ce petit garçon à l'orée de la porte de Diane. Je pense que j'ai tout dit. Je pense qu'on a fait le tour plus ou moins de cette légende. Il y a un seul point. On peut rallumer ? Allez. Donc voilà, on a terminé sur la légende. Maintenant, on a un deuxième point à aborder. Ouais. Antoine, si tu veux. Sur l'enquête du château de Rareck,
on va tester une de nos salles labo pour essayer d'expérimenter une nouvelle théorie. Et on verra sur place quelle pièce on peut choisir, la plus adaptée justement pour cette salle test. Donc on a un petit peu de temps, on va peaufiner tous les préparatifs pour être bien prêt et bien d'attaque concernant le propriétaire parce que la salle des archives, il va y avoir du travail. Et puis, voilà, on partira dans la matinée. Ok ? Nous avons choisi le château d'Arrem car la légende date du XVIIe siècle, mais que récemment, différents témoins ont fait ressurgir cette légende. Et c'est ce qui nous a marqué et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de faire cette enquête au château d'Arrem. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Bonjour. 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 Enchanté. Enchanté. Le château de Raret a été construit en 1610 par Nicolas de Lancy, chambellan du duc d'Orléans et trésorier des guerres à l'époque. Et donc il était passionné de chasse et il a construit ce château avec ses deux clôtures cynégétiques qui sont vraiment très caractéristiques et même uniques au monde pour un tel ensemble. Mon ancêtre a épousé la fille du marquis des Barres. Et donc en 1782, le château de Raret appartient à la famille Lavelloyère. Voilà. En fait, ce château a été habité de sa construction jusqu'au début du XXe, aux alentours de 1905. En fait, le château a repris vie véritablement à partir de 1988, au moment de la construction du golf et des aménagements intérieurs, et en même temps de la mise en valeur des plafonds peints du XVIIe. Qui ont été découverts très peu de temps avant, c'est-à-dire en 1976. En 1976, c'est hier, hein, c'était une belle surprise. En fait, le château a été aménagé au 18e, les pièces ont été un peu cloisonnées pour permettre un chauffage plus facile. Et on les a découverts parce que une des poutres maîtresses s'est rompue et le plafond et le plâtre est tombé. Et on découvre ces plafonds peints. Et donc voilà, c'est une belle découverte. Et depuis, ils ont été classés. Actuellement, le château de Raret, ainsi que l'église, sont classés monuments historiques. Mais c'est vraiment ce qui a inspiré Jean Cocteau quand il a découvert cette propriété. Il a été très, très emballé par son côté mystérieux, la poésie, le mystère, tout cela, ce sont des éléments qu'on retrouve très bien dans son film de La Belle et la Bête. Et mon frère me raconte souvent que Jean Marais venait à table prendre ses repas à table familiale et il arrivait avec son masque. Comme il ne pouvait pas retirer son masque, qui était très long à mettre, il retirait uniquement les crocs et avec sa tête de bête, il participait au repas familial. Donc ça, c'est une anecdote aussi qui est assez amusante. Et évidemment, en tant qu'enfant, mon frère aîné était très impressionné, vous imaginez. Alors, ce qui fait la particularité de Raret, bien sûr, c'est ces fameux murs en pierre, où il y a une représentation de la vénerie, avec la chasse au cerf sur la partie sud, et la chasse au sanglier sur la partie sud, et la chasse au cerf sur la partie nord. Pour la porte rouge, je n'ai pas volontiers la porte rouge parce que
C'est un débat qui dure depuis un certain temps. On ne peut pas être certain que c'est vraiment Diane. Cette porte, elle représente surtout une vierge et l'animal fabuleux qu'est la licorne. Cet animal fabuleux, alors il y a évidemment il y a une légende païenne qui précise que la licorne ne se laissait approcher qu'en présence d'une vierge et que les quatre chiens entourant la vierge symbolisent les quatre vertus principales que sont paix, justice, miséricorde et vérité. D'après plusieurs témoignages qu'on a pu recueillir, c'est justement à cette porte-là qu'on raconte qu'une jeune femme apparaîtrait. Donc, est-ce que vous connaissez cette légende et qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, cette légende, vous me la prenez, donc moi je suis ravi de la prendre. Alors si j'ai bien compris, c'est une servante qui se serait suicidée à proximité de cette porte. En présence d'un enfant qui est probablement le sien, et cet enfant a été retrouvé errant et blessé, et on ne savait pas très bien, on ne sait pas très bien, on se pose beaucoup de questions sur ce sujet. Je le découvre aujourd'hui, je suis content de connaître la légende. Ça m'inspire plutôt de la tristesse, puisque c'est pas une histoire très gaie. C'est vrai que c'est un endroit très mystérieux, mais je suis au départ non pas sceptique, mais curieux d'imaginer qu'une telle chose puisse être. Voilà. Nous avons été très surpris d'apprendre que le professeur ne connaît pas du tout la légende du château, parce que nous, on a trouvé des sources papier et internet qui parlent justement de cette légende. Donc pour nous, ça allait être très important de pouvoir consulter ces archives pour justement savoir plus sur la légende. Voilà la salle des archives. Ah oui, c'est assez grand. Salle des archives, comme vous pouvez le constater, il y a quelques volumes qui ont été archivés. On peut jeter un coup d'œil très volontiers, au placard d'archives. Bon, ça, ça commence au 15e siècle. L'étude de la salle des archives nous était très utile pour affiner et comprendre d'où pouvait venir cette légende. Et on s'est rendu compte qu'en 1723, Jacques Dubois, qui était le cartographe du roi, avait établi une carte topographique du château et il y avait une grande porte qui s'ouvrait en face du bâtiment principal et non à l'ouest, à l'orée du bois. Donc on peut en tirer la conclusion suivante, c'est que si à l'époque, cette porte de Diane ne se trouvait pas à l'orée du bois, ça remet totalement en cause cette légende, puisqu'au XVIIe siècle, elle se serait pendue dans la forêt, à l'orée du bois, alors que la porte n'y était pas. Il nous a dit sur la gauche. Ouais. C'est parti. Ok. Donc apparemment, celle-là... C'est là où on installe le matos. Comme elle est au rez-de-chaussée, pour l'accès aux caves, ouais. Et si on doit tirer les câbles jusqu'à l'orée de la forêt, et de la licorne, c'est vraiment le plus pratique, je pense. Maintenant, il faut regarder les prises. Une, deux, trois. Bon, ouais, tout ce qu'il faut. Fais quoi ? Va chercher les gars ? Ouais. Allez, on installe le matos. Une salle optimale pour pouvoir tirer les câbles à l'orée du bois, étant donné que la légende se passe à l'extérieur. Donc on a essayé de trouver au rez-de-chaussée la salle qui serait le plus adaptée pour placer notre QG.
nickel, merci Denis. Le matériel utilisé se compose de caméras night shot. Deux types de caméras, les caméras fixes reliées au QG et les caméras mobiles que nous utilisons en binôme. Nous avons les dictaphones numériques, principalement utilisés pour les séances de VP. Le tri-field, appelé également EMF, qui est un détecteur de champs électromagnétiques, ainsi que les thermomètres laser qui nous permettent de calculer les variations de température. Ça donne quoi le numéro 4 ? On n'aura pas de lunettes, hein. Non, on est... Ok, bah ça devrait jouer. On va faire comme ça. Okay. Les 4 caméras sont installées, intérieur, extérieur. Alors ce soir, légende, le petit garçon aux abords du château. Mm-hmm. Un binôme extérieur, un binôme intérieur. Donc ce soir, premier tournus, Denis, Mariana, intérieur du château, Nico et moi, dehors, Seb, Dever, on se rejoint dans une heure et demie. Denis, Mariana, pour l'intérieur, vous allez prendre le tri-field ce soir, parce que nous, à l'extérieur, ça ne servira pas. Les thermomètres. On peut prendre un dicta, lui. D'accord. Non, pas de séance dicta ce soir, ça ne sert à rien. On fera ça demain. Vous prenez l'APANA, ok, batterie, cassette, c'est dedans, une lampe torche. Et nous, avec Nico, on prend la night shot. La lampe torche, le MF, ça sera pas utile. T'as pris l'appareil photo, on va pas s'encombrer. Thermomètre laser, même s'il y a des changements de température, ça sera pas utile. Donc on va pas s'encombrer. Ok. Toki, Channel 6, chacun en a un. Ouais, ok. Allez, on éteint les lumières et on file. C'est parti. T'es prêt, Denis ? Ouais. Pour nous, c'est les étages alors. Précise de savoir où ce petit garçon ou cette entité était aperçu. Ok, on va se balader à l'orée du bois et ensuite on va se poster devant la porte rouge comme si on se postait dans une salle normale. Ouais. On va attendre 20-25 ouais. minutes. Ok. Laser nous permettent de calculer les variations de température. Car dans l'hypothèse où une entité se manifeste, celle-ci utiliserait l'énergie ambiante, ce qui provoquerait des variations de température. Je sais pas, il y a un truc qui me touche. Avec le dictaphone et en même temps utiliser le pendule et voir s'il y a des fluctuations en même temps avec l'EMF et le pendule. D'accord. Donc tu poses des questions, il faut qu'elles soient simples, que tu puisses répondre oui ou par non. Denis et Mariana, deuxième étage, château de Raray. Y a-t-il quelqu'un avec nous ce soir ? Les EVP sont des phénomènes de voix électronique. Lors de ces séances de VP,
nous tentons de rentrer en communication avec une éventuelle entité par le biais de dictaphone. Y a-t-il quelqu'un ce soir? Si oui, pouvez-vous nous faire un signe? Pouvez-vous nous donner un nom? Votre nom? Êtes-vous le petit garçon de la légende ? Vers la porte rouge. On va essayer de se promener un petit peu autour. On passe par la gauche. Ouais, je vais faire 2-3 clichés aussi. Enfin, c'est un petit garçon, donc c'est assez vague, ça peut aller de 5 à 10. Et là, je te dis, il y a un vrai problème. Qu'est-ce qu'il y a? Batterie vide. Je perds toutes mes batteries. Comment ça? Bah, je perds toutes mes batteries. Je viens de la mettre, la batterie. Hein. Elle était neuve. Regarde, là, elle est full. Boum. Lors des enquêtes, nous utilisons des appareils photo. Ils sont équipés d'un système de sensibilité très précis, qui vont nous permettre de photographier l'intégralité du spectre lumineux, c'est-à-dire les infrarouges d'un côté et les ultraviolets de l'autre. Partons du principe que si une entité se manifeste, à l'aide de cet appareil photo, nous allons pouvoir photographier l'intégralité de la gamme du spectre lumineux, ce qui nous donne un maximum de chances de photographier une éventuelle manifestation d'une entité. J'ai eu mon appareil photo qui s'est déchargé plusieurs fois, une fois, deux fois consécutives. Et dans ce cas-là, il y a deux hypothèses possibles. La première, soit les batteries se sont déchargées naturellement, c'est-à-dire par le froid, ou la deuxième possibilité, celle que si une entité se manifeste, elle va consommer de l'énergie, et en l'occurrence, à l'endroit où on se situe, la seule source d'énergie réelle qui existe, ce sont les batteries de nos appareils photo ou caméras. Ça me paraît quand même assez étrange, car on venait à peine de commencer l'enquête, les batteries étaient chargées, les piles étaient absolument neuves, et là, j'ai fait 2 changements de piles, soit 4 piles, et aucune ne fonctionnait. Ça me paraît étrange, en tout cas, ça s'annonçait déjà bien pour ce début d'enquête. Tu la rechanges ? Ouais. On va voir, attends, c'est pas possible. Les batteries se vident comme ça, à moins que puisse avoir une entité qui soit proche de nous. Il bip toujours quand même ici, Nico. Il bip, hein? Ouais, bien sûr, il bip. C'est une pause, hein? Ouais. Toujours au même endroit. Bah, allez, ouais. Avec la pas des, hautes tensions, des lignes de haute tension? Regarde. Non, il n'y a pas de ligne haute tension, il n'y a rien du tout. Je suis super stable, j'ai pas ce que tu veux. C'est peut-être un haut taux élevé de magnétisme. Possible. En partant du principe qu'une entité est chargée d'énergie et qu'elle pourrait interagir avec les champs électromagnétiques émis naturellement de la Terre, on utilise des EMF pour calculer ces éventuelles fluctuations si il y a une hypothétique manifestation. C'est
sûr, c'est que la batterie. Voilà, ça c'est une source électrique. Avec Cédric un point. Anton. Là-bas, au fond, tu sais, ça faisait comme si t'étais mis au point. Un truc plus clair. Et c'est assez étrange, hein. Avec ma lampe torche, en fait, je voyais quelque chose. J'osais pas l'enlever. Tout à l'heure, effectivement, il y avait un bruit, mais je sais pas si c'est en relation avec le bruit. J'étais avec Anton et le caméraman dans ce bois, toujours près de l'orée de la porte de Diane. Et quelque chose d'assez étrange est apparu à mes yeux. Pour le raconter, c'est assez compliqué. Pourquoi ? Parce que quelque chose d'assez personnel que j'ai vécu. Tout au long de ce chemin, dans le noir, j'ai vu au fond une sorte de silhouette qui s'est formée à ras du sol, un peu comme une brume, et qui a pris forme. De la distance là où j'étais, ça ne devait pas faire plus de 1m20, 1m50. Ça me paraissait étrange et ça a disparu d'une façon très fugace. Ça n'est resté qu'un court instant. Et c'est vrai que, bon, lors de l'enquête, lors de ce passage-là, justement, je ne suis pas le seul à le voir parce que le caméraman a lui aussi ressenti quelque chose, vu quelque chose à ce moment-là, c'est resté assez flou. Malheureusement, on n'a rien pu filmer. Et c'est là où se pose la vraie question. Est-ce qu'à ce moment-là, il était possible de filmer quelque chose ? Et cette chose qui est apparue à nous, je ne sais pas ce que c'était. Je ne sais pas à quoi ça pouvait ressembler. Il faut qu'on se balade sur ce chemin, alors. Il faut qu'on se balade sur le chemin. Il faut qu'on le dise aux autres binômes qui vont suivre. On revient tout doucement.
la mère qui se suicide. Mm-hmm. Et c'est l'enfant qui revient. C'est ça qui est... Ton était là. Ouais. Ton, il fait... Je compte l'arbre. Et là, bon... On a vu apparaître justement cette forme un peu vaporeuse. Mais tu peux pas décrire l'endroit exactement. T'as vu, c'est profond. Ouais, et t'avais la... Je dis, on a vu la même chose avec Cédric au même moment. T'avais la lampe. J'avais la lampe comme ça. Et après, Cédric, pendant quelques secondes, il m'a demandé de l'enlever. Et j'arrivais pas à l'enlever. Tu vois, parce que en fait, j'étais plus ou moins, tu sais, omnubilé par ce qui se passait. Et je l'ai enlevé. Et même en l'enlevant, je la voyais. Et on l'a vu que quelques secondes. C'est à peu près ça, hein, Cédric. Exact. Là, je sens plus. Non, là, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien. T'as senti, toi, c'est de ouf, quoi. Ouais. Mais je ne saurais pas te dire ça. C'est vraiment une herbe, tu sais. Une espèce d'herbe aromatisée. Il n'y a plus rien, là. Quoi? Franchement? Quoi? Appelle Antoine. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai vu un truc apparaître juste derrière toi. Et ici, il n'y a personne. Ma batterie se met. Caméra, c'est éteinte. Ok, c'est bon. C'est bon, j'ai vu quelque chose. Ma caméra, c'est éteinte. Non, attends. Seb. Cédric, j'ai vu quelque chose à côté de toi. Je te le jure. Je sais, t'as pas entendu, je t'ai dit chut. Parce que j'avais un bruit venant de vous. On s'en va. Pourquoi? On s'en va. Non? Si. Non, il faut. Il n'est pas bien. Seb, je te crois, tu crois quoi? Depuis le début de la soirée, je te le dis, s'il n'y a personne qui me croit. J'en ai Cédric et moi à avoir vu un truc tout à l'heure. Quand je t'ai dit que j'ai vu un visage à côté de toi, c'était pas des conneries. Allez, viens. Et j'étais en train de regarder donc, à l'opposé avec ma lampe, et au moment où je me retourne, j'ai eu la peur de ma vie, parce que à côté de Cédric, j'ai vu une sorte de fumée blanche, une silhouette, je ne saurais pas comment l'expliquer. Vraiment, j'avais l'impression qu'elle venait sur moi et c'est pour ça que vraiment j'ai sursauté et j'avais qu'une envie, c'était d'essayer de comprendre ce qui s'était passé. Je me sentais vraiment mal à l'aise et j'ai eu le sentiment qu'on n'était pas le bienvenu, en tout cas que moi je n'étais pas le bienvenu à cet endroit-là. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas retourné à cet endroit-là durant toute l'enquête. Channel 2, c'est quel étage exactement? C'est le deuxième. L'étage des chambres. Tout en haut, le deuxième. Ok, ben on y va tout de suite. Les scotchs n'ont pas bougé, en tout cas, au sol. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les scotchs ont un pli ou sont
déplacés ou quoi que ce soit. Le scotch a pas bougé tout seul, en tout cas c'est sûr, c'est super bien scotché. T'as vu ? Même si je fais ça, tout doucement, faut vraiment forcer pour tourner. Les caméras des airs, je n'ai jamais vu un mouvement pareil. Ok, bah on va redescendre et puis on va venir voir parce que là, Marina, elle vient de la toucher dans tous les sens et elle bouge pas. La caméra, elle est super bien fixée. Ok, alors c'est d'autant plus étrange si la caméra est super bien fixée. Au moment où on est arrivé au niveau de la caméra, la première constatation, c'est que cette caméra était bien fixée, bien calée sur la chaise. Elle avait peu de chances de bouger. Ce qui m'a tout de suite semblé bizarre, c'est que cette fameuse caméra était complètement décalé contre le mur sur un laps de temps qui était très long. Denis, viens voir. T'as vu le vidéo ? C'était pas comme ça tout à l'heure. Franchement, c'est comme ça. Il n'y a pas une odeur chelou ? J'ai une odeur chaud ? Oui. Oui. Ah, il y a une odeur de chaud. Hein. Bah écoute, touche pas, puis tu regarderas ta bande. Ouais, quelqu'un s'est appuyé contre. Alors, c'est bizarre quand même. En revenant vers le QG, on a traversé le couloir, et donc on avait toutes les chambres à notre gauche qui défilaient. En passant devant une en particulier, quelque chose attire mon regard, je m'arrête et là je vois le rideau qui avait une forme bizarre. Et là ça faisait comme si quelqu'un s'était assis sur le rideau. La première chose qui m'a marqué quand on est rentré dans cette pièce, c'est une odeur de brûlé. Quand on était passé la première fois, il n'y avait pas d'odeur spéciale dans les pièces, encore moins dans celle-là. Ensuite on a vu ce rideau. Tout de suite ce que je me suis dit, quelqu'un s'était assis sur le rebord. Je me suis rappelé qu'on était les seuls à être passés dans ce couloir. La première fois, il n'y avait rien qui nous avait sauté aux yeux. Et aucun binôme d'autre que nous n'était allé à cet étage. Donc sur le moment, là, on s'est vraiment dit, il y a quelque chose de bizarre, il s'est passé quelque chose dans cette pièce. Cette première nuit d'enquête nous a montré plusieurs éléments étranges. Et je me posais la question si la deuxième nuit va être aussi prolifique que la première. Afin d'obtenir des informations supplémentaires sur cette légende, nous avons décidé d'interroger les personnes travaillant dans le château et dans le golf. Il paraît qu'il y a un fantôme, mais on ne sait pas trop. Encore. C'est un petit garçon qui rôde. Non, c'est une femme. Ah, c'est une femme. Une jeune femme qui rôde, ouais. Qui rôde sur les terres. Mais pas dans le château. Non, pas dans le château. Ouais. Et plutôt vers la porte rouge, justement. La porte rouge, ouais. D'accord. Et au niveau du petit garçon, vous connaissez rien ? Non, pas du tout. Franchement, je ne connais pas cette histoire, donc moi je sais que c'est la porte de Diane, c'est une femme qui est morte et qui va son fantôme et, dans le coin. Mais, Vous savez pas comment elle est morte, non ? Non, pas du tout. Denis, Nico, vous me mesurez longueur, largeur, hauteur, c'est mon install l'humidificateur. Voilà. Okay. Alors toi, tiens. 3,40. La seule test élaborée sur l'enquête du château de Raret se base sur la théorie physique de la conductivité de l'air. En partant du principe qu'une entité chargée électriquement va se manifester, on va essayer de faciliter cette manifestation en humidifiant l'air ambiant dans une pièce. L'air sec n'est pas conductible. En revanche, l'air humide permet une bien meilleure conductivité de l'air. Et on sait que la conductivité thermique est liée à la conductivité électrique. Donc, si une entité est chargée électriquement, il va y avoir une relation entre l'humidité de l'air et l'entité. Nous allons augmenter le taux d'humidité de la pièce et donc indirectement des matériaux qui s'y trouvent proportionnellement au volume de la salle test. On peut se poser la question que lorsque l'on fait nos séances de VP de façon classique, peut-être que des gens sont plus ou moins réceptifs et qu'une entité pourrait ne pas se manifester s'il y a une présence humaine dans cette salle. Donc, nous avons décidé d'installer un système de VP un petit peu nouveau, un petit peu expérimental, qui se base sur une enceinte active reliée à un micro avec
un enquêteur qui va pratiquer le VT, mais dans une pièce à part. C'est-à-dire que dans cette pièce, il n'y aura aucune présence humaine. Nous utilisons un humidificateur d'air, une enceinte active reliée à un micro qui sera placé dans une autre pièce, ainsi qu'une caméra DV et non night shot qui filmera en continu l'expérience. Test 1-2. Test 1-2. Test 1-2. Donc pour ce soir, on change littéralement de champ d'action. Denis, Mariana, vous allez commencer par les cours intérieurs et l'église. Seb et moi, on va faire les caves, d'accord? Nico, tu restes DVR. Deuxième tournus, on a installé deux caméras avec un détecteur de lumière dans le channel 2. C'est la salle expérimentale numéro 2. Et la salle numéro 1, c'est ce fameux phénomène de rideau qui se sera enfoncé où on a placé l'humidificateur et le système de provocation à distance. On est d'accord? Une heure, on revient ici, à minuit, on change de tournus. On est OK? Alors au niveau de la forêt, ce qu'on fait, c'est que je pense que on ira les deux, je t'accompagnerai pour peut-être essayer de comprendre. Voilà, et que tu aies un avis extérieur. Mmh. On est OK? Mariana, Denis, c'est bon? On éteint les lumières, on y va. Voilà le genre de bruit suspect, ouais, qui en fait ne sont que, voilà, des bruits parasites. On descend dans les caves avec Sébastien et avant de rentrer dans le couloir, j'entends un bruit sourd. Et donc on va essayer de trouver l'origine de ce bruit. Et on va se rendre compte que c'est simplement un bruit parasite. Ce sont des gouttes d'eau qui tombent sur des sacs en plastique déposés sur le sol. Et c'est très intéressant puisqu'en enquête, souvent des témoins ou les gens racontent entendre des bruits, des fois ce sont des craquements de parquet ou des objets qui se déplacent. Et ce bruit-là aurait pu être un bruit assimilé à une hantise ou une manifestation, alors qu'au final, c'est simplement un bruit parasite. Wow. C'est rien, c'est une chauve-souris. Ouais. Bah oui, c'est pour ça que j'ai avancé tout son. Il y en a une autre, là. C'est la feuille, ça. Oh, oh la vache. Quoi, mets ta capuche, hein. Ouais, c'est bon. Tranquille, ma gueule. J'entendais un bruit, mais bon, le problème, c'est qu'il y a que la chauve-souris, maintenant. Vous allez où après avec Nico? On va dans les étages. Dans la forêt. On peut? Ouais. Tu vas dans la forêt? Allez, go. Ouais. Allez, c'est parti. Deux fois par mois.
forêt avec Nico. Avec Cédric, il a vu une sorte de lumière, toi, qui faisait le point. Quand tu es retourné avec Nico, vous avez vu quelque chose. Alors, moi, je n'ai rien vu. Donc, ce que je vais faire, c'est peut-être que je ne suis pas réceptif à ce qui peut se trouver dans la forêt. Je vais rester loin de toi, avec la caméra. Et je vais essayer de te laisser seul, d'accord? Je serai pas trop loin. Il y avait une odeur d'aromate, en fait, très aromatisée, comme de la menthe, mais assez difficile à décrypter. En fait, Nico, Cédric, Denis et moi, on l'a senti. Et les trois, on l'a senti, donc là, on reviendra après. Donc c'est là que ça s'est passé hier. Bon, ben on va essayer de faire 10-15 minutes. Tu t'assois peut-être à un endroit, moi je reste loin. Y a-t-il eu, oui ou non, un mort ici ? Cette odeur d'aromate qui va et vient de temps en temps est une perception complètement erronée de notre part et ce serait juste un arbre dans les alentours, ou est-ce qu'elle a un lien avec toi? C'est souvent qu'une entité en général peut s'accompagner d'odeurs. Ces odeurs sont rattachées au passé des personnes qui essaient de se manifester. Si c'est ton cas, essaye de le refaire. Attends, il y a un truc qui a couru derrière moi, les gars. Attends. Un mouvement blanc. Alors, je sais pas si c'était mes yeux. Parce que j'étais comme ça. J'étais comme ça. Il n'y a aucune lumière, moi la seule lumière que j'ai c'est vous, et j'avais tes yeux en night shot, et quand je me suis retourné, j'ai vu un mouvement très 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 fin, très rapide sur lui. Là j'ai le blanc, je me suis retourné, je l'ai vu, c'était super rapide, très rapide, mais c'était assez distinct pour que je me retourne. La forêt est un endroit propice aux erreurs de jugement et aux troubles de la perception visuelle. Lorsque je suis assis à côté de la porte de Diane avec Sébastien, je commence à faire une séance de provocation pour rentrer avec ce petit garçon qui errait dans la forêt. Et j'avais bien observé les endroits où j'aurais pu avoir un problème de perception, parce qu'il y a des arbres et des espaces vides, et comme c'est la pleine lune, et nous avions parfois quelques problèmes avec les jeux d'ombre et de lumière. Et à ce moment-là, sur ma droite, en me retournant, je vois une forme blanchâtre, fugace, qui passe juste derrière moi. Ça a été très rapide. C'était une forme, ça n'avait pas de silhouette, ou je ne peux pas l'assimiler à une forme humaine, ou de petit garçon, ou de femme, mais c'était une forme vaporeuse, blanche et très rapide. Il est éteint, donc là on est à 80% d'humidité, on a atteint le taux qu'on voulait. On allume l'enceinte, allume le dictaphone. On lance la cam là. Numéro 8.
quelqu'un dans cette pièce. Nous sommes reliés par un système audio, entre un micro et une enceinte. Peut-être que la présence humaine vous empêche de vous manifester. Donc c'est par le biais justement de ce micro et de cette enceinte que nous allons essayer de communiquer avec vous à distance. Quelqu'un a déplacé le rideau. Nous aimerions avoir des réponses. Nous avons placé un dictaphone par lequel vous pourrez essayer de communiquer avec nous. Ce qui est étrange pour nous, c'est qu'on ne sait pas quel moyen utiliser. S'il faut utiliser la manière forte, sachant s'il y a des entités, je vais dire, positives ou négatives, ou s'il faut justement rester le plus au calme possible. Moi, j'aimerais bien établir un dialogue avec vous. Mais la manière de le faire reste encore assez floue. Donc je répète les questions qui nous intéressent. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Et depuis combien de temps êtes-vous dans ce château? Le test a été placé dans la même salle où la veille, Denis et Mariana avaient été témoins d'un événement étrange, le fameux rideau. Malheureusement, la salle test sur la conductivité de l'air, pour aider une éventuelle entité à se manifester, n'a donné aucun résultat visuel ou audio. Nous devrons, sur les enquêtes futures, essayer de réitérer l'expérience pour voir si la théorie est viable ou non. Durant la première nuit d'enquête, le binôme de Denis et Mariana ont pu être témoins d'un phénomène très étrange, c'est ce rideau enfoncé contre la fenêtre. Donc, on essaie de faire marche arrière sur le déroulement de l'enquête, et donc ce déplacement de rideau n'a pu être opéré que durant le deuxième et le troisième roulement, soit une vingtaine de minutes. Donc d'un point de vue de l'enquête, il n'y a aucune raison que ce rideau se soit enfoncé de cette manière. Et encore à l'heure actuelle, on n'a aucune explication à savoir pourquoi une entité aurait déplacé ce rideau, quel est le message qu'elle aurait voulu faire passer. Aucune idée. En l'absence de présence humaine, il nous est impossible de savoir comment ce rideau était enfoncé. Ce qui est très étrange avec ce mouvement de caméra DVR, c'est que, premièrement, les caméras DVR sont fixées sur des surfaces planes et sont vissées très fortement, elles sont fixes. Le mouvement ne s'opère pas du haut vers le bas, comme si par exemple le scotch pouvait se décoller et donc la caméra partirait vers le bas. Là, nous avons un mouvement linéaire sur une durée de 4 heures qui se déplace de droite à gauche, comme si quelqu'un l'orientait ou la déplaçait. Ce mouvement, en l'absence de toute preuve qui pourrait réfuter une explication rationnelle, d'un point de vue technique, elle est fixée, elle est sur une surface plane, et elle bouge de droite à gauche, ne nous amène aucune explication et il n'y a eu aucune interaction ou erreur technique qui aurait pu déplacer cette caméra. Ce mouvement-là peut être dû à un phénomène paranormal. La forêt est dans une construction, je veux dire, géographique très spéciale, en tout cas au château de Raret, puisqu'il y a des espaces vides dus au terrain de golf, des arbres et des espaces vides derrière. Donc, avec la pleine lune, effectivement, on est en présence d'un endroit où il y a énormément de jeux de lumière et d'ombre. Mais nous avons trois témoignages de trois personnes différentes, à trois moments différents, à trois endroits différents, mais tous proches de cette porte de diable. Sébastien, Nico et moi-même.
on a été témoin d'un mouvement ou d'une sorte de manifestation. Et les points communs à nos témoignages sont la couleur blanchâtre, très claire, la forme un peu vaporeuse. Malheureusement, nous n'avons aucun soutien matériel qui pourrait corroborer ce que nous avons vu, mais on part du principe que trois témoignages qui se recroisent et dont les informations sont identiques ne peuvent pas être dus au hasard ou à une hallucination. C'est la raison pour laquelle nous, l'équipe, on en tire la conclusion que nous étions sûrement en présence d'une entité dans les bois au château de Raret. En conclusion, pour l'équipe, le château de Raret nous semble hanté. Plusieurs points. C'est vrai qu'on a eu ce rideau où on a l'impression que quelqu'un s'y est assis. Cette caméra qui fait un tour presque sur elle-même d'une façon très fluide pendant presque 4 heures. Ces deux éléments n'ont aucune explication rationnelle. Et ils sont matériels. Ensuite vient ce qui se produit dans le bois, en tout début d'enquête. D'abord, le déchargement de batterie, ce que moi j'ai vécu. Le caméraman, lui aussi, a vu quelque chose. Cette ambiance très oppressante, qui était à cet endroit-là, à côté de la porte de Diane. Une entité, à ce moment-là, était dans le bois, au château de Raret. Les éléments récoltés nous amènent à penser que le château de Raret pourrait être un lieu hanté. Il y a une présence dans les murs de cette abbaye. Ça m'a glacé le sang, j'ai pas pu bouger. Il y avait une atmosphère, quelque chose qui se passait dans ce cimetière. Quelque chose voulait peut-être rentrer en contact. C'était peut-être une mise en garde. Attention, n'allez pas plus loin.